Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de l'émission Flash. Et à la fin de l'émission Flash saison 1, on s'était arrêté sur un excellent jeu hein, qui était Back to Back. Et ben on va commencer cette nouvelle saison avec un jeu pourri. Très très pourri. Pour vous donner une idée, on va jouer un petit peu aux devinettes. Pour que vous puissiez psychologiquement vous préparer au jeu qui va suivre. Prenez le plus mauvais développeur de jeu Flash que j'ai présenté dans la saison 1. Vous me répondez tous, Foudi.net. Jusque là, d'accord. Déjà, ça vous met dans l'ambiance. Maintenant, prenez leur jeu le plus connu. C'est QWOP. Ouais. Vous le sentez le truc? Ok. Maintenant, imaginez que vous remplacez le coureur par une licorne. Ah, déjà, on sent la consommation de drogue dans l'idée du truc. Ok. Maintenant, prenez un nom à la con. Donc, qu'est-ce que fait un cheval ou une licorne quand il galope? Ça fait clope. Clope, 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 clope. Enfin, voilà. Bon. Donc, vous nommez le jeu clope. Pourquoi pas? Donc, l'idée, ce serait, pour rester cohérent avec QWOP, d'utiliser les contrôles CLOP. Eh ben, niquez la logique et prenez plutôt les lettres, c'est lesquelles? JKLM. Voilà, déjà, vous voyez, donc déjà, ça n'a plus aucune logique. Ça n'a plus aucun sens. Ok, maintenant, on continue dans le délire. Remplacer le décor dégueulasse par un décor encore pire, violet, voilà quoi, univers, hein, licorne à la con, voilà. Alors, au mieux que le terrain soit plat, comme dans QWOP, maintenant mettez plus d'obstacles, des pentes, des descentes, voilà. Imaginez, vas-y, je vous prépare psychologiquement là, parce que j'ai joué à ce jeu pendant 1 heure, et je vous jure, j'en peux déjà plus. Bon voilà, donc le terrain n'est pas régulier, contrairement à QWOP. Et le pire du pire, rajoutez la gueule de Justin Bieber. Mesdames et messieurs, je vous présente Clop. Oh, there, Klopp. Est-ce que vous sentez le truc venir? Est-ce que vous le sentez là? Bon, et eh ben c'est parti. Ah là là. Non, en plus j'ai dit n'importe quoi, c'est KHJL, c'est pas JKLM. Bon, voilà. Mais ça a aucun rapport avec Klopp déjà, donc nique la logique. On est parti. Donc le but c'est d'aller jusqu'au bout. Vous avez vu que en bas, j'ai déjà fait une partie et je crois que je n'avais jamais été aussi loin de ma vie. Ah putain, putain, putain! Bien. Ah. Je voulais vous mettre une musique, malheureusement elle est pas elle est pas libre de droit, mais est-ce que Clope, le nom me fait penser à une musique. Mais je vous conseille d'aller voir Labyrinthe du groupe Oomph, c'est un groupe allemand. Puis ça fait penser parce que après cette comment après avoir joué à Clope, j'ai écouté cette musique, puis au bout d'un moment la musique ça fait clap clap class me bang, enfin voilà et donc ça m'a traumatisé la vie. Putain, ta gueule Justin Bieber. Putain quoi, une licorne les mecs, putain, mais vous abusez quoi. Je sais que j'ai fait une musique avec un let's play de My Little Pony, mais. Oh putain, putain, ta gueule! Ta gueule! Arrête de. Comment on dit? De hennir, voilà, c'est ça. Un cheval hennit. Mais une li... Ah ouais, mais attendez, un cheval hennit, mais. Mais une licorne, ça fait. C'est quoi son cri? On dit que ça hennit aussi? Hennit, je m'en fous. Hennit. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Ok, on arrive au moment critique, les gars. Ici, c'est chiant. Oui!
Allez, allez, passe, passe, passe. Oui. Ah oui, t'es bon là, t'es bon là. Allez. On est bon là. Allez, vas-y. Oh putain. Bon, ils ont fait un petit. Vous avez vu, hein, ils ont amélioré un peu le décor derrière, mais le gameplay, putain, ta gueule, Bieber. Bon. On se détend. On se détend. Oh putain. Oh putain. Ça fait très con. Putain, je suis sûr que je peux le faire comme ça. Non? Bon, faut pas déconner. Allez. Oh putain. Oh la gueule du machin. Oh la gueule du machin. Petit poney. Petit poney. C'est quoi l'étoile qui est en haut? Ah oui, une étoile en haut, c'est quoi ce délire? Petit poney, t'étais tout gris, t'étais tout petit, petit poney, tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, un peu d'eau fraîche et d'herbe grasse, te voilà prêt pour la balade, petit poney, hey, petit poney, non. Après le jour qui réchauffe, c'est maintenant la nuit qui glace, petit poney, petit poney. Puis soudain, un grognement. Poum, 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 poum. Les crocs se serrent. Le loup a mangé, petit poney. Ouais, je suis fan de Dieudonné. Bon, bon, allez, on va essayer d'être un peu sérieux. Donc ce jeu, bah les graphismes sont moches. Graphismes sont moches, les. La musique est. Déjà, il n'y a pas de musique et les sons sont extra répétitifs. Et le gameplay est à chier. Voilà. Donc, foodie.net. Un jeu pour se taper un bon trip quand on veut, mais pas plus, quoi. Disons que c'est pas un jeu très intellectuel. Attendez, j'ai essayé un truc. Ah ouais, bien! Non mais sérieux, en plus on retrouve bien les articulations. Attendez, j'ai essayé une autre technique. Occasion, ça marchera mieux. Non, ça marche pas mieux. Bon. Je me suis pas amusé à essayer de traduire ce que nous gueulait Justin Bieber, hein, j'en ai rien à branler. Oula. Ouais, excusez-moi, je commence à être vulgaire en jouant à ce jeu. C'est moi ou plus j'avance vite, plus il y a une musique derrière. J'ai l'impression qu'il y a une mu légère musique derrière, mais à peine audible. Bon, enfin, bref. Donc voilà mon avis sur ce jeu. Allez, on essaye de s'en faire une sérieuse. Essaye de dépasser ce pic jaune là que j'avais atteint avant. Alors. Déjà, essaye d'avancer déjà. Allez, allez. On est pas mal là. Mal là, ouais, t'es mieux là, ouais.
mal là. Ouais, c'était mieux là. Ouais, c'était pas mal là. Bon. Ouais, je sais, j'ai des références hautement culturelles. Mais en même temps, quand tu joues à ce jeu, tu peux avoir que plus de culture que les développeurs de jeux, quoi. Bon, parfois, tu peux t'aider des pierres quand le sabot tape bien là où il faut dans la pierre, mais... Non, 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 petit poney! Non, petit poney! Pourquoi tu m'as fait ça, petit poney? Écoutez, je vais arrêter là parce que sinon c'est la crise de nerfs. Bon voilà. Donc Clap, franchement, essayez si ça vous amuse avec un délire. Franchement, je vous mets au défi d'arriver jusqu'au bout. Alors en plus, expliquez-moi pourquoi c'est la gueule de Justin Bieber quand on perd et que à gauche de, je sais pas si on voit ma souris quand. Ouais non non, ma souris disparaît quand je suis dans l'écran. Mais tout en bas, vous voyez en bas en fait il y a oui, le parcours quoi, et encore le parcours paralinéaire, et puis alors que il y a des obstacles sur la route, enfin bref. Comment? Alors pourquoi c'est une gonzesse qui est à gauche? Alors que c'est je sais pas, c'est Justin Bieber quoi qu'on voit là dans la fiche quoi. Bon putain. Bon, après, j'attaquerai pas la virilité de Justin Bieber, ça. Voilà. Même s'il n'en mérite pas, il y a un minimum de respect. Bon, écoutez, si, j'en fais une. Rien à foutre, j'en fais une. Allez. Ce sera la dernière et on se quitte là-dessus. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été faite un peu à l'arrache, mais en même temps, le jeu a été fait à l'arrache. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. On se retrouvera pour la prochaine émission. Je vous promets un bon jeu. On va alterner, comme à la saison 1, les bons et les mauvais jeux. Petit poney, fais pas ça, petit poney! Allez, redresse-toi, petit poney! Petit poney, qu'est-ce que tu fais? L'expression codée avec le cul. Là, je dirais presque que c'est codé avec la bite, mais... Et rigolez pas, je vais y arriver comme ça, vous allez voir. Pareil, les touches, je sais pas à quoi ça correspond, mais... Attendez, attendez. Alors, L, ok. Enfin, non, ça c'est J. Ok, J, K, ok, J, K, L, M. Hein? Oh, d'accord, ouais. K, 1. Non, 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 mais merde! Oh bon, j'arrête. Allez, à bientôt.